bosolo na politique officielle mbote biso non so besoin da biso tozali na kati ya fleuve Congo hotel liboso ya salle amphithéâtre et sika école internationale bilingue les cartésiens ezali bongo ko organiser remise ya ba diplôme na ba lauréat diplôme ya baccalauréat international Sengeli boye ba été école internationale bilingue ezali école ya liboso c'est pour une première fois na mboka na biso République démocratique du Congo école moko et participer na programme ya baccalauréat international et pe sakandingisa na belève ba kené kotanga partout dans le monde et l'école cartésien azaki bongo parmi ba participants dans le monde pe à réussir à saliba 100% 11 élèves nde ba participer qui na programme on a pe bazu lelo ezali bongo cérémonie à remise ya ba diplôme et ko pesa bango ndingisa ya kopona n'importe quel pays est-ce que ba rokende kotanga tozali na ordi mobala na sima ya caméra je vous laisse suivre l'intégralité ya cérémonie et puis on se retrouve tout juste après c'est parti. Bata Jan School,
Cartesian School. Rigor, discipline, ambition. Cartesian School. Rigor, discipline, ambition. With Cartesian. With Cartesian, with English, with French, with Spanish, with classic music. Okay, clap for yourself. For our students to be coming up here and for some remarks. Il faut souligner ici que ces mots de circonstance des élèves sera prononcé en anglais. So these remarks is going to be in English. Français anglais. Yeah. Your Excellency Minister of State, Your Excellency the Ministers and Vice Ministers in your respective titles and capacities, Mr. Inspector General of the EESB, parents, my fellow learners, ladies and gentlemen, distinguished guests. On behalf of all learners, I'd like to welcome all of you to the first International Baccalaureate Diploma Graduation Ceremony in the Democratic Republic of Congo. Ladies and gentlemen, today is the day to celebrate. Today is the day that crowns many years of hard work and perseverance. Today is the epitome and the crowning of sleepless nights, years of study and sacrifice. This day is the result and the fruit of endurance and perseverance of a group of people that believe that such a day would be possible. I'd like to start by acknowledging our headmaster, Mr. Steve Mikai, who by being visionary and seeing a future in this project, inspired us all to work hard and achieve the results we are celebrating today. I'd like to thank the teachers who always supported us and forced us through the countless hours of lab experiments, the research, and the typing. The truth is, learners are lazy and we're not always angels. Most of all, I'd like to thank the IB coordinator, Mr. Armand Golubingi, for being a father figure during this journey and always being our emotional support and the calming voice we needed. Furthermore, I'd like to thank our parents for supporting us. Thank you very much for taking a chance on us. Thank you for having our future at heart. And yes, to all the parents still doubting the quality that is Abel le Cartesian, today is your answer. To my fellow learners, I'd like to say we did it. We got the IB diploma, we did it our own way, on our own terms. We are now, after years of school, moving into adulthood and the world of university. We have grown. We have changed for the better. Today, I'd like to call on each of us to move into our new stage with the virtues and qualities we've acquired through this IB diploma program. The IB has shaped us to be better human beings. It has taught us to be result-based individuals while also being compassionate, kind, honest, honorable, and considerate. It taught us to be tolerant while staying proud and true to our own cultures and traditions. So let us move into this new state with the knowledge that we have the responsibility to improve this world, to make it better, fair, and just for everything living in it. My fellow IB graduates, our future is right before us. It is from now on up to us to embrace it and face the challenges that it will bring. But I'm confident that there aren't students better prepared than us, learners of Abel le Cartesian and the recipients of the first international diploma program in the Democratic Republic of Congo, to live up to the demands of those challenges and meet the moment when needed. Thank you very much. Votre Excellence le Ministre d'État, vos Excellences le Ministre et Vice-Ministre, à vos titres et qualités respectives. Monsieur l'Inspecteur Général de l'EPST, chers parents, chers camarades élèves, Mesdames et Messieurs, distingués invités, au nom de tous les apprenants, je vous souhaite tous la bienvenue à cette première cérémonie de remise de diplôme du baccalauréat international en République démocratique du Congo. Mesdames et Messieurs, aujourd'hui est un jour de fête.
Le jour d'aujourd'hui couronne de nombreuses années de travail acharné et de persévérance, de nuits blanches, de sacrifices. Ce jour est le résultat de l'endurance et de la persévérance du personnel d'enseignants et du groupe de personnes qui ont cru qu'un jour comme celui-ci serait possible. Je voudrais commencer par rendre hommage au promoteur M. Steve Nicaille, qui, en tant que visionnaire, avec ce projet, nous a tous incités à travailler durement et à obtenir les résultats que nous célébrons aujourd'hui. J'aimerais remercier les enseignants qui nous ont toujours soutenus pendant les recherches, les expériences en laboratoire et ainsi de suite. J'aimerais surtout remercier le coordinateur de l'IB, M. Armand Golomingi, qui a été une figure paternelle pendant ce voyage et qui a toujours été notre soutien émotionnel et la voix apaisante dont nous avons besoin. De plus, j'aimerais remercier nos parents de nous avoir soutenus. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette chance. Merci d'avoir eu à cœur notre avenir. Et oui, à tous les parents qui doutent encore de la qualité de l'EIB, le cartésien, nos résultats sont une preuve de haut niveau d'enseignement atteint par cette institution d'enseignement. À mes camarades de classe, nous l'avons fait, les amis. Nous avons obtenu le diplôme de l'IB. Nous sommes maintenant, après des années d'école, en train de passer l'âge adulte et au monde de l'université. Nous avons grandi et nous reflétons la vertu, les qualités acquises grâce à ce programme de diplôme de l'IB. Désormais, nous sommes citoyens du monde, altruistes, honnêtes, ouverts d'esprit. Selon les qualités du profil de l'apprenant de l'IB, nous participons ainsi à la compréhension intellectuelle, tous en restant fiers et fidèles à nos propres cultures et traditions. Mes camarades diplômés de l'IB, notre avenir est devenu, il nous appartient alors de l'embrasser et de relever les défis sur le parcours. En outre, je suis convaincue qu'il n'y a pas d'élèves mieux préparés que nous, les apprenants de l'EIB le cartésien, et les titulaires des premières baccalauréats internationales en République démocratique du Congo à relever ce défi et à faire face au contexte actuel. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le ministre d'État, Excellence, Messieurs les ministres et vice-ministres, tous à vos titres et qualités respectifs, chers parents, chers collègues de service, chers élèves, distingués invités, ce jour s'inscrit en caractère indélébile dans les annales de notre école, les cartésiens, et surtout de notre pays, la République démocratique du Congo. En effet, nous avons déployé des efforts incalculables pour qu'aujourd'hui, vous rehaussiez de votre présence la cérémonie du jour. C'est l'occasion pour nous de vous présenter nos remerciements les plus sincères. Distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Nous avons passé 5 années pour remplir les critères d'autorisation à dispenser ce programme et 3 longues années de préparation de nos élèves pour affronter l'examen du baccalauréat international, période durant laquelle nous avons consenti des sacrifices en termes de finances, des rénovations des infrastructures et des perfectionnements pédagogiques afin de répondre aux standards internationaux, des changements de vision et des pratiques pédagogiques, sans compter la détermination du promoteur de son Excellence, M. Steve Nicaille, et du corps enseignant. Il nous arrivait parfois de quitter l'école à 22 heures
Après avoir passé un après-midi surchargé sous la houlette de notre promoteur qui ne ménageait aucun effort pour atteindre son rêve, malgré ses multiples occupations au niveau des différentes institutions nationales. C'est vraiment un compatriote passionné par l'enseignement. Je répète, c'est vraiment un compatriote passionné par l'enseignement. Excellence, coup de chapeau. Je dis ainsi parce que connaissant la chose, il a été à la hauteur des exigences fiscales du baccalauréat international et au début, le personnel n'y croyait pas, jugeant son ambition démesurée. Avec le temps, il a fini par nous convaincre. Si nous imaginons toutes les formations ou ateliers en ligne suivis par les professeurs chaque année pour leur perfectionnement professionnel, tous les ateliers traditionnels organisés à l'étranger par l'organisation du baccalauréat international, spécialement en Espagne, en Allemagne, en Suisse, à La Haye, et les derniers remontant en novembre 2019 dans la ville du Caire, en Égypte. Toute la communauté scolaire a compris le degré d'engagement du promoteur. Encore une fois, Son Excellence, coup de chapeau. Connecté à la philosophie du promoteur, les professeurs certifiés par ce baccalauréat international ont pris l'engagement de produire le meilleur d'eux-mêmes, de refondre la totalité de leur action pédagogique suivant les modèles reçus sous d'autres cieux afin d'encourager le promoteur dans sa vision qui vient non seulement honorer l'école internationale bilingue Les Cartésiens, mais aussi et surtout la République démocratique du Congo, en y introduisant pour la première fois dans l'histoire de ce pays le programme du baccalauréat international. C'est ici l'occasion de préciser que notre école est la première à obtenir l'autorisation d'organiser le programme du baccalauréat international sur le sol congolais. Et aujourd'hui, elle est la première à ramener au pays des diplômes de ce programme. Aujourd'hui, les relevés des notes, quand je parle de notes, dont il s'agit de points dans les bulletins, les relevés des notes avec la mention du jury seront remis aux bacheliers en attendant la légalisation des diplômes par le gouvernement suisse par le biais de son ministre de l'Éducation. Je pense que d'ici la fin de ce mois, nous aurons déjà les diplômes. Comme ça, on pourra appeler les parents, ils passeront prendre. Le baccalauréat international est un programme costaud et pré-universitaire basé sur la recherche qui exige beaucoup de rigueur pour l'obtention du diplôme. Il y a lieu de signaler que pour être reçu à l'examen du baccalauréat international, le candidat doit avoir au moins 24 points sur 41 dans l'ensemble des cours, faire une moyenne de 12 sur 21 dans les trois matières du niveau supérieur, rédiger un mémoire de 4000 mots, présenter un essai de haut niveau en théorie des connaissances, en sigle TDC, et réaliser un essai de haut niveau dans le programme dénommé Créativité
activité service, en sigle CAS. Les épreuves du baccalauréat international se passent en mai ou en novembre, le même jour, dans toutes les écoles de Libé, à travers le monde entier. Le questionnaire est le même partout et corrigé par les mêmes correcteurs. Cela revient à dire que les diplômes obtenus au Japon, aux États-Unis, en RDC, en Suisse ou en France, a le même contenu et ouvre les portes des meilleures universités du monde. Pour nous avoir permis d'arriver à ce niveau, je m'en vais présenter au nom de tous les personnels de l'école nos sincères félicitations au promoteur de l'EIB Les Cartésiens, Son Excellence M. Steve Bikai Mabuluki, pour sa vision de grandeur, son esprit de sacrifice et son goût du risque. Et si nous pouvons encore l'acclamer. Nous félicitons tous les heureux bacheliers. Coup de chapeau. Nous les félicitons pour avoir mis en pratique toutes les consignes de leurs professeurs grâce auxquelles l'école et le pays sont honorés en ce jour. Troisièmement, nous félicitons nos parents pour la confiance qu'ils ont en l'école et leur engagement dans la réalisation de ce programme de diplôme du baccalauréat international. Chers parents, merci beaucoup. Enfin, nous nous félicitons, nous, personnels de l'école, pour avoir matérialisé les rêves de notre patron et lui promettons de faire encore mieux. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'école internationale bilingue Les Cartésiens, plus haut, plus fort. Je vous remercie. Honorable sénateur, honorable député, chers collègues, monsieur le ministre, ministre d'État, ministre et vice-ministre, très chers lauréats, je prends la parole à la place de mon collègue, le ministre d'État, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, qui est empêché, qui m'a demandé de prendre la parole, puisque nous sommes dans le monde éducationnel. Nous faisons tous partie de la recherche scientifique que je dirige, je fais partie du monde éducationnel. Je voudrais faire un petit mot, à trois petits mots. Il est généralement connu que dans ce pays, notre pays, je me dis peut-être que puisqu'on est complexé, on connaît toujours qu'il y a des écoles belges, écoles françaises, Tassoc, Joël, qu'on connaît comme des meilleures écoles. Et généralement, nous, responsables, ministres et autres, c'est là où on envoie nos enfants, peut-être puisqu'on ne sait pas se valoriser soi-même. Là, je tiens à encourager l'initiative privée de mon collègue ministre Steve Mikaï. C'est une initiative privée, mais qui donne la valeur à l'éducation congolaise. Puisqu'au jour d'aujourd'hui, on peut se dire qu'il faut qu'on ait le courage de parler en regardant ceux qui viennent dans notre pays, mettre les écoles alors que nous avons des potentialités et c'est une initiative à encourager. Et pour cela, je préfère que vous puissiez applaudir pour nous. Il faut
faut dire qu'aujourd'hui, si nous avons les enseignants, les promoteurs qui peuvent se comparer, généralement quand on amène nos diplômes pour ceux qui ont fait ailleurs, qui ont fait les humanités ici, qui arrivent à l'étranger, on vous dit toujours qu'il faut, il faut qu'on puisse évaluer votre diplôme. Au jour d'aujourd'hui, il faut dire que nous avons une initiative congolaise capable de pouvoir percer les milliers des universités étrangères sans passer par l'équivalence, comme on nous dit souvent. Il faut arriver à faire l'équivalence. Il faut retourner pour qu'on puisse donner l'équivalence. Voilà une initiative éducationnelle congolaise qui nous permet d'accéder facilement dans les universités étrangères sans passer par l'équivalence. Et c'est tout cela qui va nous donner. Le petit dernier mot, c'est félicitations et un message aux lauréats. Très chers lauréats, vous êtes les ambassadeurs de notre pays. Vous vous êtes distingués brillamment pour vous faire valoir à l'extérieur du pays. Vous êtes un modèle pour les autres jeunes Congolais. Je vous exhorte de faire un effort pour que vous soyez toujours les premiers, puisque vous faites valoir l'éducation congolaise. Et qu'il faudrait que les parents vous soutiennent, et même vous-même aussi, pour que vous puissiez toujours être les premiers là où vous allez partir. Pour cela, il faut les encourager aussi également, puisqu'ils ont été les meilleurs. Voilà les mots que j'avais à faire à la place de mon collègue, le ministre d'État, le ministre de l'Éducation. Merci beaucoup et bravo. Merci beaucoup. Avant de prononcer le mot, je vais commencer par remercier toutes les autorités qui ont bien donné répondre à votre invitation pour participer à cette cérémonie. Je pense au ministre d'État, à la décentralisation, qui s'est excusé parce qu'il est appelé à d'autres charges ailleurs, à la ministre d'État, Nene Nkulu, de l'Emploi, qui est avec nous ici, au ministre des Transports, Didier Mazenga, au ministre de la formation professionnelle, John Tumba, au ministre de l'Industrie, Julien Paloukou, à la ministre déléguée à la primature, Jacqueline Pengue, au vice-ministre des Budgets, Félix Moumat, et à tous les autres députés et sénateurs qui ont bien voulu se joindre à nous. Excellences, messieurs et madame, les ministres et vice-ministres, chers parents, chers élèves et chers bacheliers, distingués invités, la cérémonie de ce jour est rattachée à la journée du 16 août 2020 qui vient d'être inscrite avec l'encre indélébile dans l'histoire de l'école internationale bilingue cartésien. Car c'est le jour où, à Genève, l'organisation du baccalauréat international a publié les résultats de l'examen du diplôme du baccalauréat international pour toutes les écoles du monde autorisées à dispenser ces programmes. En effet, cette année scolaire, plusieurs écoles du monde ont stigmatisé la rigueur exceptionnelle qui a caractérisé la composition du questionnaire et la correction des épreuves qui ont occasionné des échecs et des néants dans plusieurs écoles internationales. Dans ce contexte difficile, notre école, qui avait présenté 11 finalistes, a vu tous ses candidats satisfaire à la session de mai à 100%. À 10 d'entre eux,
tandis que le 11e élève, bien qu'ayant satisfait, devra revenir à la session de novembre pour chercher un point qui lui manque, un seul point qui lui manque, pour réaliser une note de 12 sur 21 dans le cours niveau supérieur, bien qu'il a fait 25 sur 41. Nous sommes fiers de ces résultats et nous le savons avec faste parce que les recherches conduites par des organismes de référence montrent que les élèves de l'IB ont plus de chances de réussir dans les grandes universités que leurs pairs ayant suivi les programmes nationaux. Et j'ouvre la parenthèse pour vous dire que les écoles consulaires ne sont pas des écoles internationales. Ce sont des écoles nationales, mais qui sont à l'étranger, qui suivent les programmes nationaux de leur pays. Et souvent, il y a une confusion là-dessus. Cela est d'autant plus vrai que même dans les pays les plus avancés, l'admission au programme du baccalauréat international confère toujours à une école un prestige et un statut particulier. Vous constaterez par exemple que l'école américaine de Kinshasa, TASOC, bien que dispensant un programme qui conduit à l'obtention d'un diplôme américain, a comme nous consenti des sacrifices pour obtenir l'autorisation dispensée le programme du baccalauréat international. Les deux écoles ont été accréditées en 2017. Le cartésien avait célébré cet événement dans ce même cadre en 2017, en présence notamment du ministre d'État à la décentralisation qui vient de nous quitter. Plus de 4000 établissements scolaires dans le monde dispensent les programmes du baccalauréat international en raison de leur rigueur et de leur accent que ces programmes mettent sur le développement personnel de l'élève. En quoi l'IB était différent? Vous posez sans doute cette question. Le baccalauréat international propose des programmes plus étoffés que les programmes nationaux en développant chez les jeunes la curiosité intellectuelle, l'esprit de recherche, la sensibilité et la détermination nécessaires pour réussir et de contribuer à bâtir un monde meilleur. Son programme pré-universitaire prépare les enfants à affronter l'université avec brio. Et il faut souligner qu'ils sont tous parfaitement bilingues, ayant suivi tous les cours en français et en anglais. Ici comme ailleurs, on ne trouve pas une école délibée à chaque coin de rue. Car répondre aux critères de sélection n'est pas un jeu d'enfant. Il n'y en a que deux, comme on a dit, en FDC. Le cartésien et TASOC dispensent le programme de diplôme. 10 en Belgique, 18 en France, 53 au Japon, 49 en Suisse. C'est en Amérique du Nord où on les trouve par centaines. 191 au Canada, 960 aux États-Unis. Information vérifiable sur www.ibo.org. Pour entrer dans le cercle de cette prestigieuse école du monde,
le cartésien s'est métamorphosé dans le fond et dans la forme. Nous avons consenti beaucoup de sacrifices en termes des moyens financiers pour rénover nos infrastructures. De 5 locaux en 1997, l'école compte aujourd'hui une centaine de salles de classe sur 2 sites à Limété et en Galiéma. Serré sur le gâteau, l'école a encore engendré une autre école nationale qu'on appelle lycée Carnot, qui fait aussi des performances sur le plan national. Nous avons formé les enseignants en les envoyant en recyclage en Espagne, en Hollande, en Suisse, en Égypte et au Maroc. En début de la formation en présentiel à l'étranger, nos enseignants sont en permanence formés en ligne par les experts de l'IB, basés à La Haye, à Paris ou à Genève. Chers parents, au vu de ce qui précède, vous constaterez qu'en matière de la formation de vos enfants, nous avons amené à Kinshasa, à moindre coût, ce que vous alliez chercher à l'étranger. Oui, notre école dispense ses programmes à un moindre coût possible. Dans plusieurs écoles du monde, les frais pour l'aide internationale, les frais sont compris entre 27 000 et 100 000 par an, comme à l'école internationale des Rosés de la Suisse, où on paye 100 000 dollars par an. Nous remercions ceux d'entre vous qui avez fait confiance aux cartésiens en lui confiant vos enfants. Et nous demandons à ceux qui hésitent encore de vous emboîter le pas. Je ne saurais clore mon propos sans remercier et rendre hommage aux artisans de la réussite que nous avons ce jour. Il s'agit en premier lieu de tous les enseignants et agents de l'école internationale bilingue cartésien qui ménage aucun effort pour porter haut le flambeau de notre école. Je leur demande de s'élever pour être applaudis. Le personnel. Merci. Ils ont fait confiance en nous confiant leurs enfants et qui payent convenablement les frais malgré cette conjoncture difficile. Cela a permis à l'école de continuer à dispenser les cours par vidéoconférence, même pendant la période de confinement due à la COVID-19, de clôturer l'année scolaire passée pour le 2 juillet et d'effectuer la rentrée 2020-2021 avec succès le 7 septembre 2020, donc lundi passé. Je demande aux parents de s'élever aussi pour être applaudis. Les parents. Merci. Je présente mes vives félicitations à nos bacheliers et mes détenteurs du diplôme, oh que dis-je, du prestigieux diplôme du travail international en République démocratique du Congo. Je leur demande de se mettre debout pour recevoir les applaudissements de l'auditoire. Merci. Que vive le baccalauréat international, que vive l'école internationale bilingue le cartésien. Je vous remercie. Elle a fait 31 sur 42.
Elle s'appelle Jeannette Kachala. Elle a fait 30 sur 42. Kachala, 30 sur 42, avec mention C dans les mémoires. Sous le régime léopoldien, on est dans les années 1985-1908, il s'appelle Vol de Djombikai. Vol de Djo a fait 28 sur 42. En mémoire, il a la mention de... Les multinationales dans la guerre de l'Est de la République démocratique du Congo de 1998 à 2009. Il s'appelle Winner Wangata. Winner a fait 28 sur 42. Il a B en mémoire. Sur l'impact de la guerre des six jours sur les statuts d'Israël dans la région du Moyen-Orient, nous sommes dans les années 1948 et 1980. Il s'appelle Jean Kassenga. Jean Kassenga a fait 27 sur 42 avec mention B en mémoire. Apporté sur l'impact de l'homme sur la macrofaune des sols dans la strate des 10 premiers centimètres à partir de l'estimation de la biomasse et de la densité dans un écologie urbain de la ville de Kinshasa. On peut l'applaudir avant de citer son nom. Et madame Mafuta, Mafuta. La représentation de la France dans le roman Les Misérables, cas des Cosettes chez les Thénardier et Gavroche Thénardier dans son entourage. Elle s'appelle Naomi Mikoulou. Mikoulou a fait 26. C'est l'enfant du ministre Mikoulou. Comme Paul John Bikai. Il a 18 ans. Son mémoire de biologie a porté sur l'analyse microbiologique du lait caillé, produit dans le groupement des MITI en République démocratique du Congo. Il s'appelle Sapio Stéphane. Sapio a fait 25. 19 ans, son mémoire de français a porté sur la critique de la solidarité africaine à travers le personnage d'Ibrahim Dieng dans le mandat de Sembene Ousmane. Il s'appelle Grinovich Diumou. Oui, Diumou a fait 20. Son sujet de mémoire sur de biologie a porté sur les titres de la biodiversité des abeilles sauvages de Kinshasa. Lumbulé a fait la mention B en biologie pour les mémoires. Et Sapio a fait C pour son mémoire en français. Son mémoire d'histoire a porté sur la porte de l'enseignement sur le développement humain du peuple congolais pendant la période coloniale de 1985 à 1959. Il s'appelle Faveur Bilendo.
Bileno a fait 25 avec la mention « C'est en mémoire ». Ce sont des mémoires de 4000 mots. Et ce sont les élèves de 10. Il y a aussi des correcteurs qui font la correction sans connaître les points envoyés par les professeurs d'ici. Et après, il y a tout un système pour balancer, pour voir si nous avons bien coté, ou bien ce sont eux qui ont bien coté. Et c'est souvent les points que eux donnent qui sont considérés. Et il y a des fois où ça marche de pair. Quand j'ai mis B, là-bas aussi, les correcteurs mettent B et c'est bon. Comme ça, on trouve les bons professeurs à partir de ça aussi. Et puis, nous avons constaté que cette année ici, tout ce qu'elle nous avait envoyé comme note, c'était presque la même chose. Il faut dire aussi qu'il y a tout un système avec un paragraphe quelque part sans citer la source. Et toute l'école a été analysée pour ça. Cette année ici, félicitations parce qu'il n'y a pas eu de plagiat du tout. Félicitations. Cérémonie, il y a remise, il y a bas diplôme, il y a programme, il y a baccalauréat international. Oui, école cartésienne, 11 élèves va participer, qui 11 finalistes va réussir. Pour une très très bonne formation, collège international bilingue, école internationale bilingue, les cartésiens, ils allaient la commune Angalie, mais ils allaient bien la commune, il y a limité pour plus de précision, truc pour bien numéro na biso. École internationale bilingue, le cartésien. Merci.